Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retour aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Worms de Total War dans lequel nous incarnons la horde des steppes précédemment les Roxolans. De l'air. De l'air. Alors, je sais plus trop où est-ce qu'on s'est arrêté. Ah, ok, on s'est arrêté avant de terminer un tour apparemment. Et vu que je n'ai plus trop d'idées de si c'est bien ça, on va faire un petit tour des provinces, sachant que là j'ai vu qu'il y avait une construction à faire. Donc j'ai peut-être pas fait mon tour de province habituel. Oh bah non. En effet, j'ai pas dû le faire. Pas de la construction. Alors. Ok, oui, on avait fini de conquérir les territoires nerviens, bouillins, où il y a même longtemps les bouillins. Qu'est-ce que. Pourquoi il y a les pictons? On avait mis Sparte dans la mouise, Athènes également. Les Titaniens, là, ils me demandent de payer, c'est hors de question. Il devrait me connaître à force, mais bon. Sur Arverne Carnut. Ah ouais. Alors on va chercher. Epidamnos. Comme ça, il ne reste que Apollonia. On va bien sûr récupérer gentiment. Avec quand même pas mal de pertes hein, pour prendre Apollonia. C'est la dernière possession athénienne. Donc, oui, c'était vraiment le dernier truc. Il n'y avait vraiment plus grand-chose, les pauvres Athéniens. Hein. Hop, là, il y a quoi? Là, ça devrait être. On sait jamais, voilà. On va aller protéger nos prises quand même. Là, on va se débarrasser. Je vois quelques troupes Sparte. Les troupes de Sparte, il n'y en a plus. Ici, on va prendre Péa. On va pas prendre Péa. Est-ce que là je peux aller? Je peux pas aller à Larissa. Aïe aïe aïe, dommage. Ah bah attends. J'étais pas en. Ok. Bon, je peux quand même pas. Plan B. Voilà. Le plan B, toujours le meilleur. Industriel ici, je pense. Merde. Et ça. On n'est pas trop mal là, surtout. Pensez qu'il nous faut l'Italia. Hein. Je crois que j'ai plus que ça pour une. Ah, j'ai pas plus que ça, mais disons que ça va bien avancer pour la victoire culturelle. Tac. Et encore nos sauces, ils sont encore en vie, quoi. Le délire. Ok, pour l'instant on est bien, on va pas forcer.
Ok. Athènes, n'importe quoi. Sparte devrait tenter. Ouais, bon, il va me dissoudre des unités. Voilà, il va être content. Je m'en fous un peu. Je sais que le tour prochain, ils me feront plus chier, Sparte, au moins, donc. J'ai pas un champion qui est de part, là, en plus, qui n'attend qu'à tuer des agents Sparte. Il me semble. Hein. Ouais, juste à le retrouver, ça va être plus compliqué, ça. Coucou. Ouais, t'as de la chance, t'es blessé. Là. Si on peut couler un de ces navires, on va pas dire non. Là. Ouais, je vais les faire traverser la mer, là. Je vais aller à Réminium. On va commencer, on va commencer notre petit débarquement en Italie. Tac, tac, tac. Non, là ça va être ça. Là, je suis à plus de 100 000 de revenus par tour, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est génial. Bon, je suppose que je gagne le plus en Syria. Vu de la Nabatée. La Nabatée? Qui produit? Non. Ouais, je me disais aussi. Elle produit autant de nourriture que l'on consomme, mais je sais pas trop, pas beaucoup, hein, honnêtement. Honnêtement, ça joue à rien. Il me manque que ça. Il n'y avait pas une flotte. Ah, voilà, elle est là. Ah yes, je peux aller les choper. Voilà, il n'y a plus. Ah, ça en est bien. Je vais en envoyer une autre, tiens. C'est au cas où. Carthage. Ouais. Industriel. Ah, je voulais tester un endroit culturel, c'est pas très grave. Récupérer les territoires de Carthage en priorité. Ils sont pas chez eux, ils sont perdus, c'est pas défendu. Ça peut m'éviter de taper sur Rome, je vais pas dire non. Donc là, putain. Bon chier.
Rome. Voilà, comme ça me permet d'éviter Rome taper contre les Arvernes. Là, je vais aller chercher Patavium. Ah, les Arvernes, de toute façon, faudrait que j'y vienne. Faudrait que j'aille les taper au bout d'un moment. Je vais pas avoir le choix. Deux points de défense ici et là. Là, il faudrait que je me prépare à prendre quoi que ce soit. Si c'est Rome qui prend, ça me va. Les agents, mais je les ai joués vite. Ah ouais. Okay. Bah écoute, ça me permet d'avancer un peu plus vite vers ma cible, ça me va. Non, il est allié en plus avec avec mon ennemi. Et compte. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, on prend Patavium. Il y a des bonnes unités, le Saligo. Mais bon. On est plus nombreux. D'ailleurs, un pauvre mec à pied, quoi. Hop. Non, les troupes mercenaires. On va rajouter. Je suis le destructeur des hommes. Là, c'est bien, c'est que c'est un allié. Enfin, c'est pas vraiment un allié, mais tiens, tu sais quoi? Je vais quand même m'allier avec eux. Pacte de non-agression. C'est con ça, je lui propose une bonne offre en plus. Écoute, si ça lui va pas, pire, j'en finirai avec lui, c'est pas un gros problème. Je vais pas aller tellement dans la mouise que si j'étais lui, j'aurais accepté de suite. Parce que je peux complètement le terminer là. Non, on a des bâtiments un peu partout là. Vache. D'un temps, je me souviens. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Non, je rigole. On avait quelques petits soucis. Oula, pardon. On avait quelques petits soucis de nourriture. Je crois qu'on est bon maintenant.
Allez, Néapolis, c'est à nous. Il reste plus grand chose, donc on va faire traverser la mer. On n'a plus de technologie. Ma question est la suivante. On a la culture dominante dans 33 provinces. Là, j'ai encore deux provinces dans lesquelles pour augmenter ma culture. Oh, tu sais quoi? Tiens, ouais, je vais faire du divertissement. Bon, j'avais dit que je voulais faire du divertissement, et ben on va en faire. Allez. Ah, c'est Hellénique ici? Ah, très bien. Ah, c'est parfait, ça veut dire que ça me fait une province supplémentaire qui peut être convertie. Là, pareil. C'est impeccable. Accords commerciaux, non. Non. Bon, Rome. Allez, montre-nous à quel point tu es fort, Rome. Faction détruite. Knossos. Ah bah, enfin. J'y croyais plus. Hop. 52%, ça a baissé de 2%. Et là, on est passé en premier. Donc si je me trompe pas. Ah, on est bon? Il y en a une que j'ai pas vue. Bah, vu qu'on est bon. Eh oh, les Romains! Je te propose un petit coup de main. Voilà. Hop là. A capturé Rome. Trop fort. Trop, trop fort. Ça. Ça. Non. Ah! En 2 ans, je m'enquiquine pour pas grand-chose en vrai. Ah, pareil, il y a des rebelles. Hop. Tac. Tac, tac. Là on est bon, là on est bon, là y'a quoi là? Ah oui, on s'en fout. Sauf s'ils viennent nous enquiquiner, mais en quel cas. On a placé quelques pions. On a quelques pions placés au cas où ils viennent nous enquiquiner, le Lusitania. Il l'a très très vite compris. Je pense qu'il le comprend. Et si je perds ce tour, si je gagne ce tour, enfin si je passe ce tour sans perdre de province, je crois que je vais gagner. Ouais! La victoire Roxolane. T'as une campagne en incarnant les Roxolans? Bah, GG. J'en suis à combien? 177 sur 188. Et il me reste Alliage Actaès à faire. On est pas en une guerre civile. J'ai pas fait de... Comment ça Quoi? Attends. Et là, je suis en succès numéro. Alliage Actaès. À combien de pourcentage elle a été réussie? Bon, je vous laisse regarder un petit peu les stats. Ah, pas tant que ça. Ah si, Alliage Actaès, 17,3%. Super. Bon, ça, je le ferai en off. Et c'est beaucoup de succès multijoueur. Alors. En faction, il me reste 3 factions. Terminer une campagne en incarnant
parti. Terminer la grande campagne en incarnant l'Arménie. Et terminer une campagne en incarnant les Jettes. Oh putain, les Jettes. Oh, alors là. J'ai un petit problème avec les jets. Parce qu'à chaque fois que je commence, il y a un problème. La partie qui crache ou des trucs comme ça. Peut-être faire les parts pour la prochaine, ça change. C'est une faction orientale. Et ça peut être très sympa à jouer avec les satrapies. Les satrapies qui n'ont pas du tout leur mot à dire sur rien, sur quoi que ce soit. C'est vraiment soumis, quoi. Donc c'est très intéressant. On dépense en construction, pas mal. Petit de bataille relâché. 22 167. Libérer une? J'ai libéré qui? Ah, peut-être là-bas. Les Sirac ou un truc comme ça. Bah moi je vous remercie d'avoir suivi cette série. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour la prochaine. Donc on a dit part, jet ou Arménie. Et je vais certainement jouer les parts. Car c'est un peu. Après, ce qui est chiant, c'est que c'est encore une faction avec beaucoup d'unités montées. Ça, c'est chiant. À voir, ce sera la surprise demain. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Chubb. Ciao.